Salut tout le monde, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il va être une vidéo sur FIFA. Donc, ça va être une. Bon, ben voilà. Donc, ça commence très bien. Donc, ça va être une vidéo. Donc, je suis encore en ligne. Donc, voilà. Donc, j'ai pris. Vous dites Thierry Henry, il est plus en équipe de France. Pourquoi? Ou il est mal fait. C'est parce que, comme je vous l'avais expliqué, donc. Je suis allée chez ma soeur et elle a téléchargé pour moi donc l'application et tout. Comment ça s'appelle déjà? FIFA Centre de Création donc. Et je me suis amusée pendant toute la journée presque à télécharger des équipes et tout. Et là, c'est la France 1998. Donc là, c'est l'équipe de France qui a gagné donc. C'est la France d'ailleurs qui avait gagné donc cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde 1998. Et donc pour faire un. Je savais pas qui prendre, je me suis dit tiens pourquoi pas la tester. Donc d'ailleurs pour l'instant ça me réussit plutôt bien parce que ça fait 1-0 dès la troisième minute. Et en tout cas donc elle est vraiment très très forte cette équipe 98. Pourquoi si vite? Allez. Ah mince. Donc je voulais me remercier aussi tout le monde car donc j'avais fait, et là j'ai fait une vidéo c'était quand? Ouais c'est hier sur le tag Everything on my phone donc c'est avec ma cousine donc je vous invite d'abord d'ailleurs à aller le voir si vous l'avez pas encore vu et je viens de battre un peu mon record à moi en 20 heures elle a eu je viens de regarder d'ailleurs. En 20 heures, elle vient d'avoir 25 vues, je crois. Donc, pour moi, c'est énorme. Bon, après, c'est sûr que t'as des personnes comme Cyprien, Norman, eux, en un jour, ils ont déjà des millions de vues. Mais pour moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir qu'en que 20 heures, il y ait déjà 25 vues. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on est bien parti pour gagner. Bon, après, on sait jamais en ligne. Un joueur il peut se réveiller à n'importe quel moment donc là j'ai galéré puisque bien sûr quand ils voient mon équipe les joueurs il y a certains joueurs là qui ont quitté parce qu'ils voulaient pas jouer contre mon équipe parce qu'elle est cheatée quoi parce que c'est une équipe de 98 de la France 1998 donc voilà qu'est-ce que j'ai à dire c'est bon je pense que j'ai tout dit donc voilà donc par contre pour je vous avais dit je verrai si je fais un tuto mais je ne pense c'est presque sûr j'en ferai pas mais il y a des vidéos donc comme je vous disais qui l'explique je sais plus comment ça s'appelle j'en ai regardé une pour connaître pour savoir comment on fait oh bien Didier Deschamps ah mince sur le gardien mince. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc il y a quelques tutos des fois. Mais moi, j'en ferai pas. Pourquoi? Parce que, comme comme je peux pas le faire, j'irai pas chez ma soeur exprès pour faire une vidéo. Donc pour l'instant, on a toutes les occasions. Mais bien sûr. Ah mince, j'ai pas pu tirer là. Donc bref, on a toutes les occasions là, mais ça fait que 1-0. Bon, c'est déjà bien. Hein. Non, je l'ai fait trop fort. Donc lui, il a pris le Milan AC, donc c'est sûr qu'il y a quand même une différence quoi entre l'équipe de France 98 et le Milan AC. En sachant que le Milan AC est quand même très bon. Donc si vous voyez sur le joueur le président, c'est parce que dans les joueurs que j'ai téléchargés, des fois c'est pas leur vrai nom, c'est leur surnom. Par exemple Thierry Henry, c'était marqué un coup, c'était marqué Henry, Thierry Henry quoi. Et de l'autre coup c'était marqué Titi. Oh là, bien joué. Donc on a Fabien Barthez au but avec bien sûr Didier Deschamps. Voilà. Bref, l'équipe de France 98 quoi, comme je l'ai dit. Mince. J'ai pas vu Laurent Blanc. On l'a mis. Non, peut-être qu'on n'a pas mis Laurent Blanc, on a peut-être oublié. Au moins que ce soit lui le président, là, comme c'est marqué. Et parce qu'en plus déjà je me plais à jouer en ligne et en plus j'ai remarqué
qu'en 2 jours, j'avais déjà eu 20 vues. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer par moment. Donc je ferai des petits matchs en ligne comme ça. Donc c'est la 89e, j'aimerais bien marquer au moins un but parce que je vais pas dire, bah si, je le mérite un peu quoi. Bon non, finalement. Donc on aura quand même eu un peu toutes les occasions. Donc maintenant j'ai plus envie de rejouer contre lui. Donc voilà, donc c'est vraiment une superbe équipe de France 98. Donc elle est vraiment très très forte. Et donc d'ailleurs, comme il me reste quelques minutes, je pense, je vais vous montrer donc toutes les équipes que j'ai téléchargées. Donc voilà, on a. Elle s'appelle comment? Faudra que je regarde. Titan, je crois. Non, je sais plus, donc je vous le redirai. Donc c'est une équipe bien cheatée aussi avec Pelé, Johan Cruyff, Georges Best, Zinedine Zidane, Maradona, Di Stefano, quoi. Tous les joueurs. Bah, des superbes joueurs, quoi. Bon, après, hein, Chuck Norris, c'est lui, il a juste mis des joueurs qui n'existent pas, quoi. Après, Paolo Maldini, Beckham. Canavaro, je me remets bien plus que 78. J'aurais mis peut-être 90, quoi. Mais bon, donc avec Van Basten, donc une superbe équipe, donc j'en ai téléchargé à peu près. Il y a peut-être une dizaine, donc je vous les montre. Donc non, en fait, je viens de regarder, elle s'appelait All Stars. Donc là, voici une Bundesliga, donc, que j'ai téléchargée aussi. Elle est pas cheatée, quoi. Mais c'est donc tous les meilleurs joueurs de Liga BBVA, donc avec Franck Ribéry, Robben, Lewandowski et tout. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Mandzukic qui m'a. Bah attends. Mandzukic. C'est lui qui. Ah, je me rappelle. Puis il est Mandzukic. C'est lui qui. Ah oui, voilà. Donc avant, il était au Bayern, mais maintenant il a été transféré donc. À l'Atlético, donc elle a été faite il y a quand même au moins quelques mois, parce que Mandzukic y est. Donc après, ensuite, on a une équipe donc, qui s'appelle Europa 14. Donc j'imagine que c'était l'équipe de l'année dernière au Ballon d'Or. Donc pour le Ballon d'Or qui a été choisi, donc avec Cristiano Ibrahimovic, Neuer, Sergio Ramos et tout. Neuer, d'ailleurs, il avait 86, mais maintenant il a 90. Lewandowski, par contre c'est étonnant, je ne trouve pas. Il n'y avait pas Messi. Bon, c'est pas grave, peut-être que c'était pas celle du Ballon d'Or, mais pour moi c'est celle-là, donc toujours une très bonne équipe quand même. Donc après on a le FC Barcelone j'ai pas le temps de voir, bah, d'ailleurs c'est pas marqué, mais d'après mes souvenirs je crois que c'est 2002-2000, non, pas 2002-2005, peut-être 2005-2007, un truc dans le genre. Donc avec bien sûr Thierry Henry, Samuel Eto'o, Messi, donc une superbe équipe quoi, avec Xavi. Thierry Henry, maintenant il avait 70, ben, il a 79, mais maintenant il a pris sa retraite. Donc comme je leur dis, c'est s'il a une meilleure stat, c'est parce que bah il est. Il a comment bah c'était il y a assez longtemps. Donc ensuite on a cette équipe que je viens de jouer, donc la France 98. Donc désolé, j'avais même pas remarqué. Une équipe vraiment bien cheatée, parce que quand même Djorkaeff, il mérite pas 99 quoi, il mérite 93 peut-être. Et Thierry Henry aussi, Didier Deschamps aussi. Mais bon, donc très bonne équipe aussi. Donc ensuite nous avons. J'ai téléchargé quoi, une superbe équipe quand même pour moi. C'est l'équipe donc de France 84. Donc on avait gagné l'Euro donc en 1984. Donc bien sûr avec Bernard Lacombe, Platini, Jean Tigana, Alain Giresse. Donc une superbe équipe aussi pour moi. Donc après voilà, on a téléchargé une Team Italie. Donc en fait cette Team Italie, c'est en gros celui qui l'a créé. Ils voulaient mettre à peu près la meilleure équipe d'Italie qui soit, quoi. Bah, donc, ils voulaient faire une équipe d'Italie avec des légendes, quoi. Donc, après, on a aussi une équipe de Ligue 1. C'était la Ligue 1 de l'année dernière, je crois.
Donc après, on a comme la précédente, celle d'Italie, la meilleure équipe d'Allemagne, quoi, qu'il a essayé de mettre la meilleure équipe d'Allemagne, donc qui est vraiment très 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 forte. Donc après, une équipe qui s'appelle Mons de Légende, donc c'est pour lui les meilleurs joueurs du monde, quoi. Donc voilà. Donc après, on a la première ligue, donc aussi elle, je me souviens plus de la date, peut-être l'année dernière, je me rappelle plus. Après aussi, on a donc une superbe équipe du Real Madrid. Donc, je me rappelle plus aussi de l'année parce que c'est pas marqué. Mais donc, vraiment une très très forte, une très très bonne équipe du Real. Et donc, on a maintenant vraiment une équipe vraiment très cheatée qui s'appelle Super Best. Donc, hein, il a mis des joueurs, hein, il les a tous mis à 99 presque. Hein, donc, c'est pas les équipes que je préfère avoir. Je préfère des joueurs qui n'ont pas, qui sont pas trop cheatés. Donc ensuite on a l'Ultimate Xi, donc du Brésil, donc pareil que l'Allemagne et tout, c'était les meilleurs joueurs du Brésil. Donc voilà, on se quitte sur ça. C'était donc un match sur FIFA 15, donc en ligne, donc on a gagné en 0, et puis donc je viens de vous montrer toutes mes meilleures équipes que j'ai téléchargées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous!